Bonjour, bonjour, c'est Kitita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. On vient d'annoncer une collaboration entre Spider-Man Far From Home et Golden Kamuy. Spider-Man Far From Home est un film de Marvel réalisé par John Watts qui va sortir au Japon le 28 juin et en France le 3 juillet. Il raconte l'aventure de Peter Parker, alias Spider-Man, qui part en voyage scolaire avec ses amis en Europe. Golden Kamuy est un manga seinen écrit et dessiné par Satoru Noda dans le magazine Young Jump depuis janvier 2015. La version française est éditée par Kiun. Il raconte l'aventure de Saichi Sugimoto, un soldat qui a survécu à la guerre russo-japonaise de 1904. Et pour célébrer la sortie du film Spider-Man Far From Home au Japon, le film s'est collaboré avec Golden Kamuy et ces deux franchises ont sorti des posters de leurs personnages qui ont la même composition d'image. C'est-à-dire qu'on a des posters de Spider-Man qui se posent dans différents endroits de l'Europe, et on a aussi des posters de Saichi Sugimoto qui se posent dans la même position que Spider-Man dans différents endroits de l'Asie. Et maintenant, je vais vous dire un cliché de Spider-Man en chantant Nijomatsuhito de Bump of Chicken. 眠れなかった体に音が飛び込んで走る。目を閉じれば真っ暗、自分で作る色。Whoa, whoa, whoa. 言えないままの痛みがそっと寄り添って歌う。使い古した感情は壊れたって動く。見えない壁で囲まれた部屋。命に触れて確かめてる。Whoa, whoa, whoa. そのドアに鍵はない。そのドアに鍵はない。開けようとしないから知らなかっただけ。初めからずっと自由。冷たいままの痛みがそっと寄り添って祈る。冷たいままの体を温めようとしてる。生きようとする体を音は隅まで知ってる。目を開けたって同じ自分で作る色。見えない壁が見えた時には、その先にいる人が見える。虹を呼ぶ雨の下、みんな同じ雨の下。うまく手はつなげない、それでも笑う。同じ虹を待ってる。あるいは気づいていて怖かっただけ。どこまでもずっと自由。そのドアに鍵はない。そのドアに鍵はない。うまく手はつなげない、それでも笑う。同じ虹を待ってる。On a tendance à oublier le tiret qui est entre Spider-Man. Voilà. On a tendance à oublier le tiret qui est entre Spider et Man. Contrairement aux autres super-héros comme Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man porte un tiret sur son nom. Et on peut trouver aussi un tiret sur le Spider-Man en japonais. Sinon, savez-vous qu'il existe une série télé de Spider-Man qui a été faite au Japon? C'est une série télé en 41 épisodes de 25 minutes diffusée entre le 17 mai 1978 et le 14 mars 1979 sur TV Tokyo. La particularité de ce Spider-Man est qu'on peut trouver un robot géant qui s'appelle Leopardon. Spider-Man contrôle ce robot géant pour se battre contre des kaijus. Donc c'est un Spider-Man qui ressemble un peu à Pacific Crime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est arrobasKittyStation, et veuillez lire mon manga sur Mangatas. Merci beaucoup, sayonara.